Alter Radio. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1 641 552 5130 en France et en Europe. 33 7 56 75 36 89 au Brésil et en Amérique latine. 55 14 30 42 18 03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alterpress, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est Journal Sport nous qui passe à 6h30, 10h30 dans le soir, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de partout. Grand titre dans l'actualité sportive, la Super National, football, championnat spécial de D1, terminé la série Allé. 6 leaders, provisoirement, c'est ASC, Wanamete FC Groupe A. Cosmopolite triomphe de l'Union Groupe B, América des Cayes Cavalli Logan Groupe C, toujours pas de victoire pour FICA Tempête Agriventus des Cayes, début de la série retour ce week-end. Deuxième édition de la Coupe Saint-Jacques et Saint-Philippe au parc Pechenard Jacmel, victoire de Victoria 1-0 dimanche pour dépens de ASEK Jacmel. Futsal vers les éliminatoires de la Coupe du Monde Ouzbékistan 2024 du 13 au 20 avril au Nicaragua. Sélectionneur national Grecland Constantine Constin, doué rendre public liste finale 14 juillet ce mercredi. Haïti dans le groupe A, à Costa Rica, Mexique et puis Suriname. À l'étranger, tennis, classement ATP. Italien Jannik Sinner, désormais dauphin du numéro 1 mondial. Le Serbe Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, 3e. Basketball NBA, Dejounte Murray, Atlanta, Luka Doncic, Dallas, joueur de la semaine. Aussi, retour de joueur NBA avec Sisters Philadelphia face à Oklahoma City, mercredi soir. Football championnat d'Italie, 30e journée, avec 14 points en plus, Milan AC, Inter mathématiquement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Championnat des Pays-Bas, l'Ajax très intéressé par l'entraîneur Xavi Hernandez après son départ du FC Barcelone à la fin de la saison. Et puis Coupe de France, victoire de Lyon aux dépens de Valenciennes ce mercredi par Saint-Germain à 3h10.
Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportif là, d'abord sous plan national, championnat de D1 spécial, résultat 5e journée qui c'est donc dernière journée série les compétitions hein, en guise de rappel. Waname FC bat Real Hope Academy 1-0, c'est Deval Tibor qui marque le goal ça. Gagné et toujours jeudi dernier, América de Cali corrigé Racing Club Haïtien 5-0, deux doublés, un doublé de Ruud Makro, 8e 25e minute, Grégory Moïse 50e 78e minute et puis Ernst Clerget 72e minute. Samedi dernier 0-0 entre le FICA du Cap Haïtien et le Racing de Gonaïve. Entre temps, Cosmopolite bat équipe USR là, Union Sportive Rivas-Tibonicia 1-0, Charles Baudelaire 49e minute. Dimanche, gagné équipe Cavalier avec Racing Club Haïtien qui fait match nous gol partout. C'est équipe Cavalier avec Witt Saint-Joseph qui était le score là, 8e minute, et puis Racing égalisé par Cyril Peterson à la 51e minute. Victoire de la SK Poise, 2-0 des points de Wanamet. C'est donc Franz Moïse, 15e minute, et Jean-Louis Kemsler, 56e minute, qui marquait pour ASK Poise. Et puis, Tempête Triomphe de Liancourt, pas gagné vainqueur, 0-0, entre ces deux formations. Qui en saillé après série aller compétition dans différents groupes. D'abord, dans le groupe A, premier c'est ASK Poise, 7 points. Deuxième c'est Wanamete FC, 7 points. On peut rappeler que après premier tour là, ou du moins après série retour là, c'est deux premiers chaque groupe qui a qualifié pour le prochain tour là. Troisième c'est Real Hope, 6 points. Quatrième Racing Live, 5 points. Cinquième FICA, 2 points. Et puis, groupe B, on a pu signaler, c'est Cosmopolite qui est premier avec 7 points. Deuxième Triomphe de Liancourt, 6 points. Troisième Baltimore, 5 points. Quatrième Union Sportive, oui, Baltimore, 4 points. Cinquième Tempête de Saint-Marc, 3 points. Et puis, groupe C, premier, c'est équipe América de Cali à 7 points. Deuxième Cavalier de Hogan, 5 points. Troisième Racing Club Haïtien, 4 points. Bon dernier, c'est la Juventus de Cali, 0 points. Nous connaissons Violette désisté, il n'a pas participé. L'an compétition, calendrier éventuel de la première journée de la série retour, en attendant la confirmation de la commission d'organisation. Match à Odoué déroulé week-end Gabina. Oui, et groupe A, FICA Gapo sur Wanamet. Match à l'essai 1-0 pour Wanamet. Real Hope doit recevoir AS Capoise. Match à l'essai 1-0 pour AS Capoise. Groupe B, Baltimore doit recevoir Triomphe. Match à l'essai 0-0. Cosmopolite doit recevoir Tempête. Match à l'essai 1-0 en faveur Cosmopolite. Et puis groupe C, Juventus de Cali Cavalli. Match à l'essai 1-0 en faveur de Oganeo. Et puis Racing Club Haïtien doit recevoir América de Cali, match aller c'était 5-0 en faveur América. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Plot point, l'actualité sportive là, Super National, deuxième édition de la Coupe Saint-Jacques et Saint-Philippe au Parc Méchina Jacques Mel. Résultat qui en risque le week-end sur le passé. Samedi, Union de Grand-Gouave qui fait 0-0 avec Exafoot de Léogane. Et puis dimanche 31 mars, victoire de Victoria de Jacques Mel 1-0 au dépens de ASK Jacques Mel. N'a pas signalé la première journée. AS Grand-Gouave te bat ASK Jacques Mel 3-2. Victoria de Jacques Mel te bat Exafoot de Léogane 1-0. Le match inaugural là, gagne AS Marigot qui te bat Association Sportive Sud-Est 2-1. Gain URD Fort par la suite qui te bat AS Marigot 1-0. Et puis Association Sportive de Sud-Est et battre équipe jeune joueur de Petit Guavlan de goal à un futsal. Pour nous clôturer l'actualité sportive là sur plan national, suite au camp de détection organisé les 2-3 mars dernier au gymnasium Aïssi Chéri du club de volleyball Benza à Delma 75, sous supervision du directeur technique national de la Fédération Haïtienne de football, Chéri Pierre, avec participation du sélectionneur national, le grec Constantine Constin, pour première pré-liste de 25 joueurs qui communiquaient avant de soumettre la liste finale de 14 joueurs ce mercredi 3 avril. A été de participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde de Futsal qui va le faire au Nicaragua. En guise de rappel, éliminatoire Coupe du Monde Futsal dans la zone Concacaflan va le dérouler du 13 au 20 avril 2024 au Polideportivo Alexis Agueo à Managua.
au Nicaragua et il va gagner la participation de 12 associations membres. 12 équipes ça est réparti en 3 groupes de 4. Nous viennent en groupe A, Costa Rica, Mexique, Suriname, Haïti. Groupe B, Panama, Cuba, Canada, Nicaragua. En groupe C, a gagné Guatemala, États-Unis, Trinidad et Tobago. Et puis la République Dominicaine. Tournoi va débuter par en phase de groupe, les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes. Ils vont qualifier pour les quarts de finale, suivi des demi-finales, du match de classement et de la finale à l'issue du tournoi. Les quatre demi-finalistes vont qualifier pour la Coupe du monde de futsal de la FIFA qui va le faire en Ouzbékistan, 14 septembre pour 6 octobre 2024. Calendrier sélection nationale futsal dans éliminatoire Sahel, samedi 13 avril, 6h PM Costa Rica face à Haïti. Dimanche 14 avril, 6h PM, Haïti face à Mexique. Et puis lundi 15 avril, 4h PM, Suriname a rencontré Haïti. On t'y pose. Là, nous retournons, nous allons aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Selon Constitution 1987, la souveraineté nationale la chita nan men tout citoyen ak citoyenne yo. Pourtant, dans société nous, citoyen yo pa ramasse pouvoir yo genyen pour choisir ak surveiller l'état. Pendant l'état lui-même gen tendance mette yo sous côté dans décision yo. Pendant ce temps, gen série secteur mauvais intention k'ap couri derrière moun compétent ak conséquent ki nan poste important yo. Si nous continuons comme ça, l'État a fini tout un prisonnier un petit groupe de monde. Faut que nous fassions camper pour nous construire l'autre l'État. Faut que nous prenions engagement pour faire les gens qui viennent diriger l'État avec préparation, moralité et capacité pour respecter les règles de la démocratie. Qui donc, faut que nous signions un contrat pour que les gens qui prennent pour dirigeants et les citoyens un rapport sur toute action opposée et sur l'utilisation des ressources publiques. Gaf, Groupe Action Francophone pour l'Environnement, ensemble avec Alternative Haïti, Mouvement National Citoyen pour Climat, invite tous citoyens et citoyennes engagés dans la bataille pour faire tout le monde qui voulait diriger le pays, depuis Kazek, magistrat, il vient dans le plus gros poste de responsabilité, signer un contrat pour transition écologique et sociale là, avant de jouer un bulletin de vote dans quelle qu'il en soit élection sérieuse qu'a faite dans le pays. Changer le système, nan, pas dérégler le climat. Dans moment crise ak moment la trouble sa pays d'Haïti a vive la malfaite a profité fait soi-disant information si qu'il est pour ka mettre l'esprit en boulacha ba ou stress faire ou paix pour yo ka manipuler ou citoyen citoyenne c'est pour rete veatif veye faux nouvelles veye des informations marcher sous pinga. Nous besoin d'informations vérifiées pour nous construire démocratie. Médias, journalistes, citoyens, en campé goumen contre des informations. C'est un message projet combite pour bonjour démocratie ak support organisation internationale francophonie ak Union européenne. Message ça pas engagé ni Union européenne ni organisation internationale francophonie. Mes amis docteur Georges, a pas m'tande ces choléra qui touye Piero, de quoi m'tande maladie ça a t'est passé? Passé, madame Jean. Non, mache. Après choléra te fin disparaître pendant un bon bout de temps, li retourne à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra, docteur Georges? Ça facile. De pour servir à glou traité pour boire et puis manger, laver mais à glou avec savon, si tout les saute dans toilette avant ou manger, choléra pas besoin de route pour rentrer sous la barrer bien barré. Eh bien, pas de problème. Nous tout kon bagay sa yo déjà. Kon el se youn, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait ça nous capable, non? Yon sel green fwa kont pou choléra rentre sou. Kon el se youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout temps. Songe, choléra reparet, c'est nous tout qui pou baril. C'était yon message MSPP ak partner li yo. Haïtiens, haïtiennes,
N'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Le monde de la communication vous intéresse? Vous rêvez d'un avenir meilleur? Vous voulez améliorer votre langage et votre capacité de communiquer? Le Centre de communication appliquée, Sénacom, est là pour vous accompagner. Le Sénacom est un choix intelligent en matière de communication, tout en s'axant sur l'audiovisuel. À Sénacom, nous avons les professeurs expérimentés dans le domaine. Une méthode adaptée à la réalité de l'heure, afin de former des professionnels pour une presse plus utile. Le Centre de communication appliquée Sénacom vous offre des cours en art oratoire, journalisme multimédia, journalisme sportif, communication française, animation et présentation radio-télé. À Sénacom, c'est surtout 80% pratique et 20% théorie. Le stage est garanti. Sénacom, c'est aussi des cours de vidéographie, photographie, montage vidéo, graphic design et technique de mise en onde. Sénacom se trouve au numéro 12, rue Joule, Delma 33, à côté de CPM, local du Centre pédagogique Frères Unis. Les inscriptions sont à cours pour la nouvelle session. Contact 36 26 45 44 55 40 53 18. Sénacom, une école pratique. Sénacom, le présent de votre avenir. Yobo, t'es quoi dit m'sie dame ça que j'aime vivre ici dans la salle? Bon, comment le faire en forme comme ça, mine? Tout cas, bon, elle est moins en forme, vrai? Bah, privé, non, papa. Pour qu'on soit pas capon. Monsieur? Bon, qu'est-ce que ça va dire là? Ou pas informé? Un monde qui vient vivre ici, c'est tant qu'on n'importe maladie qu'on est qui? Tant qu'on maladie qui est psychique, tension. Et puis tout, les pi moun nan pye pran médicament, la mené vie familiale, aller l'école ak travail normalement oui. Crété, régine, comment fait kon tout bagay sa yo? Moi mais docteur oui, crété, ou gen l'oublié. Et puis, moi informé en pile sou sujet a. Yon moun ki gen jèm sida, ki toujours bien pran médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, les pa ka ba yon lot moun sida nan fè sexe. C'est un coup de la tête disparaître dans son. Oh! Disparaître dans son même, ça veut dire qu'il n'y a pas gagné encore? Il est toujours gagné. Mais, grâce à ce médicament ARVO, quand c'est un virus qui est tellement petit, test avec examen laboratoire pas même arrivé détecter. Mais, il faut qu'il toujours prenne médicament ARV chaque jour et puis aller faire test là chaque un an. L'information, c'est gros causé. Pour moi, depuis mon langue sida, la ville finie. Problème manque d'information, ça fait nous faire une pile discrimination vraiment. Informe dans des timon. Yon ti kras VIH 900 égale zéro transmission. C'est yon message, Ministère Santé Publique PNLS, grâce à Sipo Technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFOR et USAID. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive, la Bokounia sur plan international en Espagne, vainqueur sur la pelouse de Villarreal de lundi en clôture de 30e journée. Championnat Atlético Madrid remonté à la 4e place qualificative en Ligue des Champions à l'Atlético Bilbao qui lui-même est inclus dernier. Face au Real Madrid 0-2, goal Atlético Madrid est marqué par Axel Witsel, 9e et Saúl Ñíguez, 47e minute. Championnat d'Espagne, résultat, alors principal résultat, en guise de rappel, FC Barcelone te bat Las Palmas 1-0, Rafinha 59e minute, Girona bat Betis Séville 3-2, belle victoire de Real Madrid 2-0 dépend de Atlético Bilbao, un doublé de Rodrigo. Et puis lundi, Atlético Madrid a battu Villarreal de goal à 1, classement dominé par Real Madrid 75 points, deuxième FC Barcelone 67 points, troisième Girona 65 points, quatrième maintenant Atlético Madrid 58 points, cinquième Atlético Bilbao 56 points, classement des buteurs dominé par Ante Budimir, Osasuna, Artem Dovbyk, Girona et puis Jude Bellingham, Real Madrid avec 16 goals. Puis en Angleterre, gagné un 31e journée qui démarre le mardi 2 avril là, un arrière entre Newcastle et Everton.
Et Nottingham Forest qui bat Fulham 3 goals à 1, un arrêt entre Burnley et Wolverhampton. Ce mercredi 2h30, Arsenal Luton Town de 3h15 ce mercredi, Manchester City Aston Villa. Jeudi, Cargaville, 2h30 PM, Liverpool face à Sheffield United, 3h15 PM, Chelsea face à Manchester United. Liverpool leader, 67 points, deuxième Arsenal, 65 points, troisième Manchester City, 64 points, quatrième Aston Villa, avec 59 points. En Italie, le leader de la série A, l'Inter Milan, n'est pas tremblé à domicile face à Empoli 2-0 lundi et assuré sa place pour la prochaine Ligue des Champions. Le but milanais était marqué par Di Marco, 5e minute, et Alexis Sanchez, encore lui, 41e minute. Grâce à succès, ça, les deux séries A, les confondaient. L'âge avance là en tête championnat. Lombardio compte 14 points d'avance sur Dauphin et Rivalio. Le Milan AC. Principaux résultats, 30e journée, championnat d'Italie. Naples, t'es tombé la carrière, c'est Atalanta qui t'es battu 3-0. Lazio t'es battu 22-0. Victoire du Milan, c'est à déplacement de, en dépend de la Fiorentina. Lecce Roma 0-0 et puis Inter lundi bat équipe Empolia 2-0. Inter solide 79 points. Deuxième Milan 65. Troisième Juventus 59 points. Quatrième Bologne 57 points. Cinquième Roma 52 points. Classement des buteurs dominé par Lautaro Martinez. Inter 23 goals. Dusan Vlahovic Juventus avec 15 réalisations. Alter Sport. Actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité football là, toujours sous plan international, Coupe d'Italie demi-finale allée. Le mardi 2 avril là, il y a Juventus qui bat la Lazio 2-0. C'est Federico Chiesa avec Vlahovic qui marquait pour la Juventus sur mercredi 3 avril. Deuxième demi-finale, 3h, Fiorentina pour se voir Atalanta. Demi-finale retour les 23 et 24 avril. Grande finale le 15 mai à 3h PM. Et puis Coupe du Roi en Espagne. Grande finale le samedi 6 avril, 4 PM. Athletic Bilbao à recevoir Mallorca. Coupe de France, demi-finale. Journée mardi 2 avril là. Gagne Lyon qui bat Valenciennes 3-0. C'est la Gazette qui réalise un doublé. 51e minute sous penalty. 57e minute de Orban. 75e minute, victoire donc de Lyon, 3-0 au dépens de Valenciennes ce mercredi, 3 avril, deuxième demi-finale entre Paris Saint-Germain et Rennes, 3h10, quoi nous dire. Et puis, Coupe d'Allemagne, demi-finale, journée mardi 2 avril là, aventure terminée pour Saarbrück, puisque c'est Kaiserslautern qui bat les 2-0 ce mercredi 3 avril, 2h45, Leverkusen a rencontré Düsseldorf, grande finale de la Coupe d'Allemagne, c'est le 25 mai 2024. On a rappelé la Coupe d'Angleterre lui-même. Tableau demi-finale, c'est pour samedi 20 avril. Manchester City a recevoir Chelsea et puis Coventry City contre Manchester United. Grande finale de la Coupe d'Angleterre, c'est le 25 mai prochain. L'avenir de Xavi, entraîneur du FC Barcelone, il est scellé au club. L'ancien milieu de terrain, Libra, s'est déposé à l'issue de la saison. L'ex-international espagnol ne manquera pas de propositions pour rebondir et un Nadayo capable de venir des Pays-Bas puisque des médias néerlandais annoncent que l'Ajax Amsterdam très intéressé, le club auteur d'une saison noire souhaitait appuyer sur l'avenue de Xavi pour relancer un projet à moyen terme. Ligne droite, journal d'espoir, amis auditeurs, tennis sacré à Miami dimanche dernier. Yannick Sinner, c'est nouveau dauphin de Novak Djokovic. Au classement ATP publié lundi, italien dépassé l'espagnol Carlos Alcaraz. Alors, les 10 premiers au classement ATP, numéro 1, le Serbe Novak Djokovic, 9 725 points. Numéro 2, l'italien Yannick Sinner, 8 710 points. Numéro 3, l'espagnol Carlos Alcaraz, 8 645 points. Numéro 4, le russe Daniil Medvedev, 7 165 points. Numéro 5, l'allemand Alexander Zverev, 5 415 points. Numéro 6, le russe Andrei Rublev, 4 890 points. Numéro 7, le danois Holger Rune, 3 795 points. Numéro 8, c'est le norvégien Casper Ruud, 3 615 points. Numéro 9, c'est le bulgare Grigor Dimitrov, 3 540 points. Numéro 10, c'est le polonais Oberkaz, 3 425 points. Chez les dames, sacré à Miami samedi, l'américaine Danielle Collins, lui passé de la 53e à la 22e place. Le trio de tête d'Irité Inchangé, Iga Swiatek devant Aryna Sabalenka et Coco Gauff.
Les 10 premiers au classement WTA, numéro 1, c'est la Polonaise Iga Świątek, 10 835 points. Numéro 2, la Biélorusse Aryna Sabalenka, 8045 points. Numéro 3, l'Américaine Coco Gauff, 7205 points. Numéro 4, la Kazakh Elena Rybakina, 5848 points. Numéro 5, l'Américaine Jessica Pegula, 4860 points. Numéro 6, la Tunisienne Anja Beur, 4118 points. Numéro 7, la Grecque Maria Sakkari, 4030 points. Numéro 8, la Chinoise Qiwen Zheng, 3995 points. Numéro 9, c'est la Tchèque Markéta Vondrousova et Vondroussa de référence, 3895 points. Numéro 10, c'est la Lettonne Jelena Ostapenko, 3438 points. Enfin, basketball NBA, semaine ça, Ligue là, il a décidé pour récompenser pour la première fois Dejounte Murray et Atlanta du titre de Player of the Week à l'Est. Il faut dire qu'avec 28,3 points, 10,3 passes, 5,8 rebonds et 1 point d'interception de moyenne sur 4 matchs, 3 victoires, il est donc très en vue avec les Hawks d'Atlanta, réussissant notamment un game winner et également son record de points face aux Celtics de Boston. Cela vaut bien de passer outre ses pourcentages moyens, 44% au tir, 39% à 3 points et 60% au lancer. À l'Ouest, c'est on habitué des distinctions qui, en revanche, est choisi à la personne de Luka Doncic, Dallas, élu pour la 13e fois de sa carrière, joueur de la semaine, a vécu sur 4 matchs et hauteur de 32,5 points, 11 rebonds, 9,5 passes et 1,8 interceptions de moyenne à 51% au tir, 44% à 3 points et 72% au lancer. Il termine donc fort la saison régulière avec les Mavericks afin de potentiellement semer le doute dans la tête de ceux qui voteront pour élire le MVP 2024, puisque n'a pas cheminé là vers fin saison régulière là. Match qui a gagné la NBA le mercredi 3 avril là, 7h PM Washington Lakers, Charlotte Portland à 7h30 ce mercredi, Brooklyn Indiana, Boston Oklahoma City, ah oui, c'est le choc des leaders, leader conférence Est, Boston face à leader conférence Ouest là, Oklahoma City. Atlanta contre Détroit à 7h30, toujours ce vendredi. Alors ce mercredi de préférence, à 8h PM, Milwaukee, Memphis, New Orleans, Orlando. Ce mercredi toujours à 8h, Minnesota, Toronto, et puis à 10h PM, Phoenix face à Cleveland. On a fini comme d'habitude avec le classement dans deux conférences. Jusqu'à lundi soir, conférence Est, premier Boston, 59 victoires, 16 défaites, deuxième Milwaukee, 47 victoires, 27 défaites, troisième Cleveland, 45 victoires, 30 défaites, quatrième New York, 44 victoires, 30 défaites, cinquième Orlando, 44 victoires, 31 défaites, 6e Indiana, 43 victoires, 33 défaites, 7e Miami, 41 victoires, 33 défaites, 8e Philadelphie, 40 victoires, 35 défaites, 9e Chicago, 36 victoires, 40 défaites, 10e Atlanta, 35 victoires, 40 défaites, Conférence Ouest, 1er c'est Oklahoma City, 52 victoires, 22 défaites, 2e Denver, 52 victoires, 23 défaites, 3e Minnesota, 51 victoires, 23 défaites, 4e Clippers, 47 victoires, 27 défaites. Et en cinquième position, c'est Dallas, 45 victoires, 29 défaites. Alors, 43 victoires, 29 défaites. Sixième, c'est New Orleans Pelicans, 45 victoires pour 30 défaites. Alors, Dallas, c'est 45 victoires également. En sixième position, c'est la formation de New Orleans Pelicans, 45 victoires, 30 défaites. Septième, Phoenix, 44 victoires, 31 défaites. Lakers, 9e, 42 victoires, 33 défaites. Et puis, 10e, Golden State Warriors, 40 victoires, 34 défaites. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller vers le titre qui domine l'actualité sportive là sur le plan national, football, championnat spécial de D1, terminé la série aller, c'est leader provisoire, c'est ASC Wanamete, FC Group A, Cosmopolite, Triomphe de Lyon, Groupe B, América de Cali, Cavalier, Logan, Groupe C, toujours pas de victoire pour FICA, Tempête, Agrientou de Cali, début de la série retour ce week-end. Deuxième édition de la Coupe à Saint-Jacques et Saint-Philippe pour Parc Méchina, Jacmel, victoire de Victoria, 1-0 dimanche dernier au départ de ASC Jacmel. Tout ça vers les éliminatoires de la Coupe du Monde Ouzbékistan 2024 du 13 au 20 avril au Nicaragua. Sélectionneur national langue, Clark Constantine Constant, doué langue publique, liste finale 14 joueurs ce mercredi. Haïti, le groupe A, Costa Rica, Mexique, Suriname.
à l'étranger, tennis, classement ATP, l'italien Yannick Sinner, désormais dauphin de numéro 1 mondial, là, c'est Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, troisième, basketball NBA, David Murray, Atlanta, Luka Doncic, Dallas, joueur de la semaine, possible retour de joueur NBA avec Sixers Philadelphia, face à Oklahoma City mercredi soir. Football, championnat d'Italie, 30e journée avec 14 points en plus sur Milan AC, Inter mathématiquement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Le championnat des Pays-Bas, l'Ajax, très intéressé par l'entraîneur Xavi Hernandez après son départ du FC Barcelone à la fin de la saison. Et puis Coupe de France, victoire de Lyon, 3-0 de points de Valenciennes. C'est demi-finale ce mercredi, Paris Saint-Germain à 3h10. C'est sur notre salle que nous mettons en route dans le test pour les amis auditeurs. Nous te prenons un peu le plaisir pour nous t'y accueillir comme d'habitude. Merci un peu pour l'attention. Merci à collaborateur nous, Jules Sandewa, qui est dans la réalisation. En micro, c'était Smith Griffon, qui a écouté l'émission ça, un podcast Alter Radio, sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify, à Google Podcasts. Tous les jours, toutes nouvelles, sous tout sport. Sous Alter Radio, l'IFE, INE. Reviens dans mes bras.
reviens dans mes bras. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-11.